Ladies and gentlemen, as our several uh, honourable ministers said earlier, we can no longer talk of education without, in the same breath, mentioning COVID 19 and its impact on the education system of every single country of the world. The next speaker will deliver a keynote address on the topic of COVID. and the need for our continent to build forward better, more resilient educational systems. We are pleased to welcome on stage Her Excellency, Professeur Mariatou Kone, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour à tous. Mesdames et Messieurs les ministres en charge du secteur de l'éducation-formation, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Secrétaire général de l'ADA, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'éducation de tous les continents présent ici ce matin, chers partenaires de la Triennale 2022 de l'ADA. Mesdames et Messieurs, croyez-moi, je suis très heureuse de me retrouver ici, à Maurice, avec toute la délégation de la Côte d'Ivoire, composée du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Et des apprentissages. Nous sommes heureux de nous retrouver parmi le parterre d'espoir que vous êtes pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire dans, dans le domaine de la quête d'un apprentissage fondamental de qualité et repartir d'ici enrichi de l'expérience des autres. Mesdames et messieurs, à l'instar de nombreux pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à la double crise de COVID-19 et de la crise de l'apprentissage. Les évaluations nationales et internationales du PASEC ont montré un faible niveau d'apprentissage des élèves. Dans le même temps, les enseignants, eux, selon le même rapport, semblaient maîtriser leurs compétences académiques. Cette situation incommodante interpelle les acteurs du système éducatif et amène à s'interroger sur ce qui se passe réellement dans la salle de classe. C'est pourquoi, avec l'appui des partenaires au développement, plusieurs initiatives ont été prises pour adresser cette problématique. En effet, des politiques nationales visant à améliorer les apprentissages, les premiers apprentissages surtout, ont été expérimentées au moyen de projets pilotes qui se sont avérés concluants. Ces projets pilotes se sont appuyés sur des recherches reconnues dans le domaine de l'acquisition de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Comme exemple, il y a le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs, le PAPSE en abrégé, qui est en cours de mise en œuvre en Côte d'Ivoire, grâce à l'appui du partenariat mondial pour l'éducation. Et c'est un projet qui a développé, entre autres, un ensemble de programmes pour améliorer les résultats de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture et des mathématiques pour le préscolaire, le cours préparatoire première année, le cours préparatoire deuxième année et le cours, le cours élémentaire première année. Un programme pluriannuel de formation avec la mise en œuvre d'une formation des encadreurs pédagogiques et d'une formation des formateurs. Une technologie numérique pour collecter et analyser les données d'observation de classe. Un renforcement de la chaîne de production et de distribution des manuels scolaires à travers le système de pré location que nous appelons Bonamas. Je pourrais citer également l'exemple de l'initiative Elan de l'IFEF. Elan étant École et Langue Nationale pour l'expérimentation de l'enseignement bilingue, langue nationale français. En Côte d'Ivoire, nous avons expérimenté dix langues. Je pourrais citer également en termes d'effort de redressement, le programme d'enseignement ciblé PEC, PEC et l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM qui ont développé des approches pour la remédiation scolaire et la formation à distance de milliers d'enseignants. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en comparaison à 2019, pour faire référence au rapport PASEC, les évaluations montrent une modification des pratiques pédagogiques des enseignants en mathématiques, en lecture et en écriture, et une amélioration des conditions matérielles des apprentissages. Hier, au cours d'une session parallèle, nous avons vu avec Tarle que la Côte d'Ivoire est passée de 17% d'apprentissage en 2019 pour les mathématiques à 23% en 2021. Ces efforts sont à la fois confirmés par des données d'enquête et des données d'observation de classe. Vous comprenez donc l'importance de mesures, de l'évaluation qui aident à travers un suivi-évaluation à prendre des décisions d'amélioration. Par exemple, dans le domaine du suivi et de l'encadrement des enseignants, on peut citer pour ce qui concerne uniquement l'enseignement préscolaire et primaire, la réalisation de 17 865 visites de classe réalisées aux préscolaire et aux primaires, l'organisation de plusieurs 5 907 ateliers de formation aux primaires, Ayant touché 59 070 enseignants, la formation de 1 800 instituteurs adjoints admissibles au certificat d'aptitude professionnelle, la formation de 7 089 directeurs des études, directeurs des écoles, éducateurs et enseignants des établissements privés, etc., etc. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'opérationnalisation des conclusions des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation que le gouvernement ivoirien a autorisé. En Côte d'Ivoire, avec l'accompagnement de l'UNESCO et de plusieurs partenaires, nous avons pris l'option, avec les collaborateurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de consolider et de renforcer les acquis des efforts que je viens de numérer pour un impact à grande échelle. À cet égard, et de façon concrète, mon département, avec l'appui des différents partenaires, a entrepris plusieurs actions, à savoir la finalisation de la stratégie, des la stratégie nationale des premiers apprentissages, la mise en œuvre du programme national d'amélioration des premiers apprentissages, le développement de la stratégie nationale de formation continue des enseignants, le renforcement de notre dispositif d'évaluation des apprentissages, y compris notre participation aux évaluations internationales mondialement connues. Par exemple, pour la stratégie nationale des premiers apprentissages il convient d'indiquer qu'elle était devenue une exigence face à la multiplicité des initiatives, y compris des initiatives d'ONG, de philanthropes et du secteur privé. Son déploiement permettra de fédérer toutes les initiatives en cours à l'effet d'adresser plus efficacement la problématique de l'amélioration des apprentissages en lecture, en écriture et en calcul en Côte d'Ivoire. Pour me résumer, je pourrais dire que les initiatives mises en œuvre en 2021-2022 pour rattraper la perte d'apprentissage en Côte d'Ivoire se résument en ceci. Tirant des leçons de la perte d'apprentissage consécutive à la COVID-19 et conscient des enjeux de la transformation de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est résolument engagé dans une dynamique d'innovation qui s'articule autour de quatre composantes qui sont mise en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, production de ressources pédagogiques numériques, élaboration de documents de cadrage et de stratégie de réforme du collège, renforcement du suivi et encadrement pédagogique des enseignants. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous faisons et nous envisageons pour la Côte d'Ivoire. Pour conclure, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel à ma qualité de membre du comité directeur de haut niveau de l'ODD 4 sur la transformation de l'éducation. Il est important pour l'Afrique de revoir, de réviser en tout cas la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique dans le cadre de l'agenda 2063. Nous devons créer des synergies avec les initiatives existantes, profiter des opportunités et capitaliser les acquis pour un système éducatif résilient dans notre continent. Je voudrais dire merci à l'ADEA qui nous donne ici l'occasion à Maurice d'échanger sur les bonnes pratiques, les expertises et les partenariats. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention.